À l'invitation du président du conseil d'administration de Colombe de Sangmélima, Samuel Etoufis a pu mesurer l'estime des populations du Dja et Lobo pendant les 2 heures d'horloge de la cérémonie. Pour le nouveau président de la FECAFOU, il était question de remercier les délégués du Sud, qui l'ont porté à ce prestigieux poste, mais surtout louer les précieux et sages conseils de M. André Noël Essian, qui n'est pas allé de main morte pour le soutenir. Revenant sur son programme de modernisation du football camerounais, Samuel Etoufis a promis la construction de 2 stades de football dans la région du Sud. Un à Sangmélima et l'autre à Ebolowa. Le maire de la ville de Sangmélima, qui s'est senti honoré par cette visite, a égrené un chapelet de doléances à l'adresse du porteur d'espoir du football camerounais notamment, un souffle nouveau à la Ligue régionale de football du Sud qui se meurt.